pour les bienfaits de ce sacrifice pour nous. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci. Est-ce que tu as donné ta vie pour que moi j'aie la vie? Ce que aucun homme ne t'a dit et ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu as souffert pour moi. Tu as lu jusqu'au bout pour moi. Et tu as crié tout accompli. Et la porte du ciel m'a été ouverte. Je te bénis pour cela. Donne-moi la force, durant ma vie chrétienne, de respecter ce sacrifice par la qualité de ma vie de sanctification. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Merci. Je vais vous asseoir. On va faire deux, trois choses avant de passer à la parole de Dieu. Et tout à l'heure, il y a Willy qui va venir après, mais il va attendre. Il va passer au deuxième pouce pour faire. Il a quelque chose à dire avant la parole. Il va passer. Et à la fin aussi du culte, avant la fin du culte, laissez passer Van Kébé. Il a un conseil important. Il va communiquer là-dessus et puis faire une prestation. Voilà. Mais avant que Willy n'arrive, je voudrais qu'on salue une famille qui est au milieu de nous. Amen. Voilà, quand on va finir de les saluer, la diaconesse Cambrie va donner une cantique. Amen. Voilà, venez devant ici, la famille Cambrie. Venez devant ici. Voilà, quand vous dites les autres, les Caleb Blessing. Voilà, mettez-vous bien devant ici. On vient vous voir. Voilà. Ils sont membres de cette famille-là, la famille Résurrection. Alléluia. Et nous sommes contents de les voir après environ 6 années d'absence, un peu plus de 5 ans, 6 années d'absence. Nous sommes très contents de les revoir. Ils sont arrivés depuis dimanche dernier, mais depuis hier, ils sont venus nous saluer, ils sont avec nous à la maison. C'est aujourd'hui qu'ils vont retourner dans leur QG. Ils sont là pour 1 mois. Voilà, voilà Blessing. Un pater la main, 2 ans. Voilà, un coup maintenant. Voilà, Caleb. Donc, on acclame le Seigneur. Alléluia. Quand les gens sont bien, partout ils vont là, Dieu les bénit. Ils sont comme. Bois de manioc. Hier, il m'a compté ses bénédictions, tout ce que Dieu a fait, même le passeport. Il dit qu'à cause de la COVID, pour avoir le passeport, c'est un championnat. Au point où ils ont voulu voir quelqu'un pour les aider. On est venu frapper à leur porte pour leur remettre leur passeport. Et ça ne suffisait pas. Il y avait une erreur au niveau du passeport de la diaconesse. Ils sont allés pour rectifier. Quand ils sont partis, c'est là qu'ils ont vu que vraiment, le fait qu'ils aient reçu leur passeport, c'est un miracle. C'est un miracle. Alléluia. Amen. La Bible dit, jette ton pain à la suivante de l'eau, avec le temps, tu le retrouveras. Partout où tu es, tu le retrouveras. Jacques Cambrie et son épouse, on n'a pas passé 10 ans ensemble. On n'a pas passé 5 ans ensemble. Mais vraiment, ils ont marqué cette communauté. Ils ont leur histoire dans l'histoire de cette communauté.